Dames en heren, goedemorgen. De Belgische regering heeft gisteravond aangekondigd dat ze de evacuaties van op de luchthaven van Kabul zou stilleggen. De laatste 730 vlucht is dan ook om 21:30 tijd van Islamabad geland. Deze beslissing werd genomen op basis van een uitdrukkelijke aanbeveling van onze defensieteams. Defensieteams die instaan voor de veiligheid van de eigen militairen, die instaan voor de veiligheid van het diplomatiek personeel, het consulair personeel en natuurlijk ook die instaan voor de veiligheid van de mensen die we geprobeerd hebben te evacueren. Die veiligheid is altijd onze eerste prioriteit geweest. Dès le début de l'opération de la mission Red Kite, on a bien vu que la situation à Kaboul était très chaotique et très dangereuse. Je pense que tous, on a vu les images de cela. Ce qu'on a vu, c'est que mercredi, pendant la journée, la situation s'est fortement dégradée. En plus, très concrètement, nous avons obtenu des informations parvenues de sources américaines, mais aussi d'autres pays, qu'il y avait une imminence d'attentat à la bombe suicidaire dans l'environnement de l'aéroport. On a aussi vu que les accès à travers les gates devenaient de plus en plus difficiles et à un certain moment est devenu aussi impossible. Ces informations que nous avons obtenues pendant la journée nous ont également poussé à avoir beaucoup de contacts avec nos pays partenaires et on a vu que la plupart de nos pays partenaires ont déclenché la même approche que la BESIC, donc c'est de diminuer et arrêter le nombre de vols de Kaboul vers Islamabad. Et donc, hier soir, toutes nos équipes et tous les Belges qui étaient sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul ont été évacués, comme j'ai dit. Dernier vol atterri à 21h30, heure de Islamabad. Hier, nous avons encore pu opérer 5 vols entre Kaboul et Islamabad, ce qui porte le total du nombre de vols entre Kaboul et Islamabad à 23 vols qui ont eu lieu. Ce qui veut dire que, partant de Kaboul, un peu plus que 1400 personnes ont été évacuées avec des vols belges, donc avec des C-130 belges. De cette partie, naturellement, beaucoup d'ayants droit belges, de gens qui étaient sur les listes belges, mais, comme vous l'avez bien entendu, aussi beaucoup de gens que nous avons transportés pour d'autres pays, notamment pour les Pays-Bas. Les ministres Sophie Wilmès, Ludovic de Donder et le secrétaire d'État Sami Mehdi iront plus en détail par rapport aux opérations et par rapport aux chiffres. Ils donneront plus de précisions. Alors, si les évacuations à partir de nos vols de Kaboul se sont terminées, ça ne veut naturellement pas dire que c'est la fin du support qu'on donne à des gens qui sont à Kaboul ou qui sont en Afghanistan. On pourra aller tout à l'heure plus en détail. Nos équipes qui sont aujourd'hui à Islamabad continuent naturellement à faire tout pour supporter au maximum des gens qui ont encore besoin de l'aide. Voor ik het woord geef aan mijn collega's, zou ik toch nog een aantal zaken willen benadrukken. Eerst en vooral de uitstekende samenwerking tussen buitenlandse zaken, defensie en asiel en migratie. Het zijn bijzonder intensieve dagen geweest. Succesvolle samenwerking die ertoe geleid heeft dat die operatie Red Kite goed is kunnen verlopen. Het is voor ons nooit een discussie geweest. Het is onze morele en onze humanitaire plicht om landgenoten die zich in een gevaarlijk gebied bevinden, om hen alle hulp te geven om zich in veiligheid te kunnen brengen. En laat het duidelijk zijn, dit zou nooit gelukt zijn zonder het plichtsbesef en zonder de ongebreidelde motivatie van zoveel mensen. Zoveel mensen ter plaatse die gewerkt hebben in bijzonder gevaarlijke omstandigheden. Zoveel mensen ook die vanuit Islamabad en vanuit ons land bijzonder veel werk verricht hebben de voorbije dagen. Honderden soldaten, diplomaten, consulair personeel zijn de voorbije dagen naar Islamabad en naar Kaboul gebracht.
Tientallen zijn ook vandaag aanwezig in Melsbroek, zijn ook aanwezig in Peuty om zo goed mogelijk de mensen die teruggebracht zijn, om die te kunnen opvangen. En dus, laat dat mijn laatste boodschap zijn aan al diegenen die aan deze missie meegewerkt hebben. In Kabul, in Islamabad, in Melsbroek, in Peuty en ook degenen die dat gedaan hebben van op andere plaatsen. Uw niet aflatende toewijding, deskundigheid, moed en creativiteit hebben ervoor gezorgd dat deze operatie een succes geworden is. De regering en ik denk ook alle mensen die steun gekregen hebben en hun naasten en hun familieleden zijn jullie bijzonder erkentelijk voor de vele inspanningen van de voorbije dagen. À tous ceux et à celles qui ont contribué à cette mission, à Kaboul, à Islamabad, à Melsbroek, à Peuty et tous ceux qui l'ont fait d'autres endroits, votre dévouement sans faille, votre expertise, votre créativité, votre courage ont fait de cette opération un succès. Le gouvernement et toutes les personnes qui ont été aidées, et toutes leurs familles et tous ceux qui sont leurs proches, vous sont très, très reconnaissants pour tous les efforts qui ont été faits les jours précédents. Voilà, ceci comme introduction. Je donne maintenant la parole à la ministre des Affaires étrangères, Sophie Bilmes. Dank u. Ja, ik zal meer informatie geven ten opzichte van wat Buitenlandse Zaken heeft gedaan. Ik zal starten met een beetje contextualisatie en dan de laatste ontwikkeling van de laatste dagen. Ik wil inderdaad ook beginnen met het feit dat dit een uitzonderlijke en ongeziene operatie is, want ze is nog niet volledig afgelopen. En even ongezien samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Asiel-Migratie, het was ook aangekaart door de premier. Gisteren hebben wij ook de opvangcentrum in Peuty bezocht met de collega's die hier aanwezig zijn. En ik moet zeggen dat we waren iedereen onder de indruk voor het professionalisme van het onthaal en de grote efficiëntie van de medewerkers. Zoals dat ook het geval is met de teams die in het buitenland moeten opereren. We hebben in Peuty kunnen praten met mensen die aangekomen waren. En het waren voor ons allemaal, ik moet het zeggen, heel emotioneel. Was zeker en vast heel emotioneel voor de vrouwen en mannen die aan de helende waren ontsnapt en die in vele gevallen nog familieleden en vrienden hebben moeten achterlaten. Onze diensten hier in België, in Pakistan en onze mensen in Kabul hebben er in overleg en in nauwe samenwerking met onze internationale partners alles aan gedaan om zoveel mogelijk van onze mensen zo snel mogelijk het land uit te krijgen. Ze moesten dat doen in een tijdskader dat ze niet in de hand hebben en in de uiterste moeilijke en volatiele omstandigheden die eigen zijn aan conflictengebied. Ik sta erop om iedereen daarvoor te bedanken uit de grond van mijn hart. Ce qui se passe en effet en Afghanistan est une tragédie. Les images de la souffrance humaine des derniers jours sont très dures, sont très émouvantes. Je peux vous dire qu'elles ont laissé personne indifférente et certainement pas non plus nos équipes sur place qui ont travaillé. Les décisions fin avril des forces américaines de se retirer et la fin de la mission de soutien de l'OTAN ont ouvert la voie à la reconquête du pays par les talibans, vous le savez. Et cette reconquête que l'on pouvait craindre s'est finalement produite beaucoup plus rapidement que la communauté internationale ne l'avait prévu. Mais la situation était bien sûr déjà très complexe depuis un certain temps et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle le Conseil aux voyageurs des affaires étrangères pour l'Afghanistan indique depuis 5 ans déjà que tout voyage en ce pays est absolument déconseillé. Le 7 août, la Belgique a émis un avis officiel de quitter le pays et à ce moment-là, 31 Belges étaient inscrits auprès de l'ambassade à Islamabad comme résidents en Afghanistan. Une quinzaine de voyageurs s'étaient également signalés. Notre ambassade à Islamabad a, suite à cet avis, donc cet avis du 7 août de quitter le territoire, contacté à plusieurs reprises, téléphoniquement, individuellement donc, tous les Belges inscrits auprès de nos services consulaires et ceux qui avaient signalé leur présence sur Travelers Online. Jusqu'au samedi 14 août, aucun Belge présent en Afghanistan n'avait demandé d'assistance afin de quitter le pays auprès de l'ambassade ou le SPF Affaires étrangères. Et nous le savons, depuis lors, ces chiffres ont augmenté d'heure en heure, de jour en jour, de manière assez importante, nous le savons, et la croissance rapide de ce nombre de demandes d'aide pour quitter le pays a rendu évidente, évidemment, la nécessité d'organiser une opération d'évacuation de grande envergure. C'est pourquoi nous avons immédiatement, dès le dimanche, contacté la Défense pour voir ce qu'il était possible de faire.
Dès la mise sur pied de l'opération, l'équipe consulaire des affaires étrangères, accompagnée d'un détachement de la défense, est donc rendue sur place pour opérer. Au total, nous avons appelé 934 personnes à l'évacuation. La majorité d'entre elles appartient à ce qu'on appelle la catégorie 1. Ce sont les Belges et leurs ayants droit, plus ou moins 500 personnes. La ministre de la Défense, à mon avis, fera le bilan sur les vols C-130 opérés au départ de Kaboul. Mais globalement, on peut dire que pendant les 6 jours de l'opération, 1100 personnes sous la responsabilité belge ont été évacuées de Kaboul à Islamabad. Alors quand j'exprime le terme « sous la responsabilité belge », je fais ici référence à toutes les catégories des ayants droit confondus, qu'il s'agisse de personnes belges et leurs familles nucléaires ou des personnes que nous avons décidé de ramener parce qu'ils courent un danger extrême en restant sur place. À cela s'ajoutent également des personnes évacuées à la demande de pays partenaires comme néerlandais, luxembourgeois ou d'autres États. La très grande majorité d'entre elles ont été transportées par les C-130, donc sur les 1100 personnes, la majorité d'entre elles ont été transportées par des C-130 et le reste l'a été par des vols d'évacuation néerlandais. Ceux-ci ont été ramenés vers Melbrook par 4 vols de la compagnie Air Belgium, affrétés par les affaires étrangères, ainsi que par des avions de la Défense. D'autres ressortissants belges ont également été ramenés en Europe par nos partenaires européens et notamment par les Pays-Bas. La prudence reste toujours de mise avec les chiffres. J'attire votre attention là-dessus. Ce n'est qu'après le screening de toutes les arrivées à Petit et des personnes ayant atterri à l'étranger que l'on pourra avoir une vue d'ensemble complète et précise. Wezen orvan bewust dat een aantal mensen nu nog in Kaboul is. Sommige mensen hebben helaas de luchthaven niet kunnen bereiken. Andere mensen hebben intussen aangegeven dat ze om familieredenen bijvoorbeeld in Afghanistan willen blijven. Daarna zijn veel mensen die zich aangemeld hadden bij onze diensten met eigen middelen terugkeer in België. Hoeveel mensen het land nog willen verlaten, moet nog bepaald worden. Maar ik kan u een paar indicaties al geven. Gisteren heeft onze ambassade in Islamabad contact opgenomen met de mensen van wie we nog niet zeker zijn dat ze al in België zijn, om te vragen of ze nog geëvacueerd moeten worden. In dat geval dienen ze zich meteen te melden bij de ambassade. Van de 114 contacten die zijn genomen, hebben we tot vandaag 10:30 Kabul tijd 12 reacties gekregen van mensen die aangegeven dat zij in Afghanistan aanwezig zijn, alleen of met familie. Deze lijst van 114 contacten is nog een bruto lijst. Waarom? Want dat moet nog gecrosscheckt worden met de lijst van mensen die aangekomen zijn in België via andere landen. We gaan ervan uit dat de laatste gaat om net geen 150 mensen. De huidige contactlijst van 114 zal dus nog afnemen. U ziet wel dat de werk is niet af. Je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette opération et certainement celles et ceux qui ont été sur place parce que c'était des circonstances extrêmement difficiles pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. La ministre de Dendre. C'est ma première fois ici. Bonjour à toutes et à tous. Au cours de ces derniers jours, la Défense et ses partenaires ont accompli un travail exceptionnel et dans des conditions, comme vous le savez, extrêmement difficiles d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'un point de vue humain. Les efforts conjoints des militaires et de nos partenaires nationaux et internationaux ont permis de soustraire plus de 1400 personnes d'un danger aigu. Ce 17 août, soit moins de 24 heures après la décision du gouvernement de lancer l'opération NEO, un appareil de la composante R emmenait vers Islamabad les premiers militaires ainsi qu'une équipe consulaire. In de loop van de acht volgende zeer intense dagen hebben meerdere honderden militairen van het regiment Special Operations, maar ook ander gespecialiseerd personeel, buitengewoon werk afgeleverd. Met de drie C-130's van de luchtcomponent werden namelijk meer dan 1400 personen bevrijd van de dreiging van het Taliban-regime
en werden deze mensen naar een veilige plaats gebracht. In totaal werden er 23 C-130 rotaties uitgevoerd tussen Islamabad en Kabul. Deze militairen hebben samen met hun partners van buitenlandse zaken een opdracht uitgevoerd die we niet anders kunnen beschouwen dan als een groot succes. Ik wil ook nog de samenwerking met onze internationale partners onderlijnen. In het bijzonder met Luxemburg, dat ons een A400M ter beschikking heeft gesteld, en Nederland, met wie we gezamenlijke vluchten tussen Kabul en Islamabad hebben uitgevoerd. Ik wil hen bij deze bedanken en ze deel maken van het positieve resultaat van deze fase. Eveneens een grote dank aan diegenen die uit België hun steun verleend hebben en die ook nog de volgende dagen en wegen voor een goede verdere verloop zullen zorgen. Hier, au regard de l'évolution de la situation sécuritaire et sur base des indications reçues des partenaires internationaux et des retours de la zone, nous n'avions d'autre choix que de nous soustraire de l'aéroport de Kaboul. Les équipes sur place nous rapportaient que d'autres nations commençaient à retirer leur personnel militaire et consulaire de Kaboul. Le gouvernement a dès lors pris la décision de rappeler le détachement de Kaboul vers Islamabad. Il était pour nous de la plus grande importance de mettre notre détachement militaire et l'équipe consulaire en sécurité. Lorsque vers 21h30, nous avons été informés que le dernier C-130 avait atterri à Islamabad et que le personnel était sain et sauf, la fin de la première phase de l'opération Red Kite a été annoncée. Aujourd'hui, du personnel militaire et des moyens matériels restent déployés à Islamabad, le temps d'analyser l'évolution de la situation en Afghanistan. Mais vous vous en êtes déjà rendu compte ces derniers jours, la mission de la défense ne s'arrête pas là. Cette nuit encore, un vol charter entre Islamabad et Bruxelles a été effectué et a ramené en Belgique plus de 250 évacués. Les passagers de ce vol ont été accueillis à Melsbrook, transférés ensuite vers la caserne de Petit. Dans le quartier militaire de Petit, un dispositif d'accueil a été mis en place où notre personnel collabore avec les départements de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'asile et la migration. Je pense que la défense a montré une nouvelle fois à quel point elle est indispensable pour la sécurité de nos concitoyens, que ce soit sur des théâtres d'opération, que ce soit sur le territoire national. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont donnés et qui se donnent encore, sans compter, pour que la Belgique puisse s'acquitter de ses responsabilités envers ses concitoyens et envers la communauté internationale. Et je suis très fière du travail qui a été accompli par les militaires et par les personnes impliquées dans Red Kite, qu'ils ont accompli un travail remarquable. Je leur remercie en nouveau. Merci beaucoup, Irmeli. Ja, het zijn intense dagen geweest. Voor ons een beetje, voor de mensen in Afghanistan nog veel meer. En wat mij betreft zijn er twee beelden die mij altijd zullen bijblijven. Twee beelden allebei van gisteren. Het eerste is dat van een komiek. Een man die lacht en spot met de Taliban. En die dat gedaan heeft tot net voor zijn executie. En het beeld van een huppelend meisje op Melsbrook. Allebei lachen, alleen hebben ze niet allebei hetzelfde lot. En dus op dat vlak is deze operatie bijzonder belangrijk geweest voor hen. En hebben we daar levens gered. Van veel volwassenen, maar vooral ook van heel veel kinderen. Er zijn meer dan 300 kinderen die uiteindelijk tot in Peuty zijn geraakt. En er zijn heel veel Belgen die wij effectief, omdat dat onze plicht is, mee gerepatrieerd hebben. Maar er zijn andere mensen voor wie wij ook een verantwoordelijkheid hebben. Een verantwoordelijkheid omdat het mensen zijn die meegevochten hebben voor
de wereld waar wij in geloven. On pense à ceux qui étaient interprètes ou fixeurs pour l'armée et qui ont collaboré avec nous sur le terrain, qui ont mis leur vie en danger. Tout ça pour nous. On pense à toutes les organisations pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, des personnes qui ont collaboré avec des organisations et des instances européennes et internationales pour arriver à un monde dans lequel tout le monde pourrait être libre, tout le monde peut rire sans avoir le risque d'être exécuté. En ieder meisje huppelend op straat kan rondlopen in Melsbroek of in Kabul. En ook iedere moeder of vader gerustgesteld kan zijn dat dat kan gebeuren. En dus wanneer je de beelden ziet en ook hoort dat de Taliban aangeeft dat ze met zwarte lijsten rondgaan, net om die mensen op te zoeken, de Afghanen van wie ze van mening zijn, dat ze daar horen te blijven en daar een bepaald lot te wachten staat, ja, dan was het ook belangrijk voor ons als regering om voor die categorie mensen, voor die mensen die hun nek hebben uitgestoken en een groot gevaar lopen, om daar ook wel het nodige voor te doen. We hebben dat gedaan voor heel wat mensen en ik wil er een paar opsommen omdat ze belangrijk zijn. Er is Moeders voor Vrede, een organisatie die hier ontstaan is in Ypres van vrouwen die in Afghanistan, ondanks het feit dat er heel wat mannen zijn die wellicht niet wensen dat die meisjes leren lezen en schrijven, daar toch de mogelijkheid toe hebben. Afghaanse medewerkers van Moeders voor Vrede zijn vandaag in veiligheid in België. Denk aan de Afghaanse mensenrechteninstellingen. Denk aan de Afghanen die meegewerkt hebben voor UN Women. Denk aan de Afghaanse onderzoekinstelling die meegewerkt heeft jarenlang met het Commissariaat-Generaal voor Vreemdelingen en Staatlozen. Denk aan de Internationale Journalistenvereniging die ons ook gecontacteerd heeft. En waar we een aantal mensen die gevochten hebben voor de persvrijheid ook in veiligheid hebben kunnen brengen. En ik denk ook aan de mensen die misschien niet in België zijn terechtgekomen, maar ergens anders veilig zijn. In Canada, in Amerika, waar dan ook. Ik denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de FIFA die ons ook gecontacteerd had voor die Afghaanse nationale voetbalploeg van vrouwen die gewoon op een voetbalveld willen voetballen. En voor wie ook dat volgens sommigen te veel is. Dus in totaal zijn er voorlopig in Peuty van die categorie ook al 253 personen toegekomen. En mensen die in ontzettend goede omstandigheden worden opgevangen. Et donc moi aussi je tiens à remercier tout le monde qui est actif à Peuty pour le travail exemplaire qui est fourni. On parle de la Croix-Rouge, on parle des services de la police, des services de la défense, bien évidemment, des services d'asile et migration et les services de la police qui sont présents à côté de mes propres services à moi aussi. On a eu l'occasion de discuter avec certaines personnes qui, pour la plupart d'entre eux, vu qu'ils sont belges ou qu'ils ont un titre de séjour en Belgique, retournent dans leur habitation ici. Et pour d'autres, ceux qui se sont battus pour la défense, ceux qui se sont battus pour un Afghanistan qui est libre, seront accueillis par, que ce soit la défense, que ce soit par mes instances de fait d'asile, mais en tout cas, qui j'espère qu'ils auront une période de repos qui sera bien méritée après le traumatisme qu'ils ont connu. En tout cas, je tiens à remercier tout le monde qui a travaillé à cette mission qui était très importante et je tiens à souhaiter tout le meilleur à tous ceux qui ont vécu une période de traumatisme et qui aujourd'hui sont à Melsbroek, à Peuty ou quelque part d'autre dans le monde en sécurité, mais loin, loin de ce qu'on a vu à l'aéroport de Kaboul. Ja, dank u wel. Als er vragen zijn. Ja, Bart. Zou u nog even in het Nederlands kunnen uitleggen wat de concrete aanleiding was om te beslissen om ermee te stoppen, namelijk die dreiging van een aanslag? Hoe weten we dat? Wie heeft die dreiging geuit? Kan u daar wat meer details over geven? De situatie rond de luchthaven van Kabul is van bij het begin een bijzonder chaotische en gevaarlijke situatie. Gezien de beelden daarvan zijn wijd verspreid. Gisteren hebben wij in de loop van de dag op militair niveau informatie gekregen van de Verenigde Staten, maar ook van andere landen, dat er indicaties waren dat zelfmoordaanslagen binnen die massa van mensen bij elkaar, dat daar een dreiging toe was. Er is ook een communicatie geweest vanuit buitenlandse zaken naar
de mensen ter plaatse die wij konden contacteren om hen daarop te alerteren dat dat gevaar zwaar toegenomen was. Daarnaast zagen wij ook dat men bezig is om de toegang langs de poorten van de luchthaven om die eigenlijk quasi af te sluiten. En wij zagen ook dat er eigenlijk de facto nog zeer weinig mensen in slaagden om binnen de luchthaven te kunnen geraken. Laatste element dat ook gespeeld heeft, is dat het duidelijk is dat in de komende dagen het operationeel houden van de luchthaven, zoals dat vandaag het geval is, dat op zijn einde loopt. En dus dat we niet in een situatie zouden willen terechtkomen waar onze militairen, onze diplomaten, misschien mensen die we nog moeten evacueren, niet meer in de mogelijkheid zouden verkeren om de luchthaven te kunnen verlaten. We zien ook dat andere landen dezelfde stappen gezet heeft. Bijvoorbeeld Duitsland heeft dat ook reeds gedaan. We hebben goede afspraken gemaakt samen met andere landen dat natuurlijk wij elkaar zouden blijven steunen. Net zoals wij de voorbije dagen meer dan 100 mensen die op Nederlandse lijsten staan gerepatrieerd hebben met onze vluchten, onze C-130's uit Kabul, is het natuurlijk duidelijk dat andere landen ons ook zullen helpen, mocht dat mogelijk zijn. Maar wij zien dat de facto het quasi onmogelijk is om door de poorten op de luchthaven nog te geraken. Dreiging? Was dat van ISIS-K bijvoorbeeld? Daar kan ik geen detail over geven, maar men heeft ons gezegd dat er een dreiging was dat in die mensenmassa zelfmoordaanslagen zouden kunnen plaatsvinden. En dan gaat het natuurlijk over de veiligheid van onze dienst, maar gaat het ook over de veiligheid van mensen die zouden proberen op de luchthaven te geraken. En die boodschap hebben we aan hen ook doorgegeven. Oui. Peut-être en français. Est-ce que vous avez des estimations sur le nombre de ressortissants belges ou de belgo-afghans qui sont encore en Afghanistan ou qui n'ont pas répondu peut-être ou qui n'ont pas pu être évacués et qui avaient reçu une convocation sur les 900 personnes que Mme Wilmès a évoquées? Et donc ce matin, si on a bien compris, un avion qui a encore atterri à Melsbrook avec des personnes de retour d'Islamabad. Est-ce qu'il y a encore d'autres avions qui sont prévus de retour d'Islamabad dans les heures qui viennent ? Pour répondre à cette question, d'abord peut-être compléter ce que le Premier ministre a expliqué. Avec raison, on ne peut jamais identifier avec certitude les sources qui nous informe ou en tout cas qui serait susceptible de commettre des attentats suicides sur place. On sait qu'il y a une présence probable d'ISIS-K sur le terrain, on le sait. On le sait aussi qu'à partir du moment où les pays partenaires sont en train de sortir de la zone, vous avez par définition de moins en moins de personnes à l'intérieur de l'aéroport pour gérer l'intérieur de l'aéroport et les accès, bien que les Américains restent jusqu'à la fin, bien entendu, ainsi que leurs partenaires. Et donc, par définition, vous augmentez la zone de risque. Il y a eu des discussions encore au G7 hier pour demander aux Américains de continuer de rester sur place aussi longtemps que nécessaire, c'est-à-dire aussi longtemps que nous avons tous la certitude de d'avoir pu sortir nos ayants droit, peu importe qu'ils soient belges ou qu'ils fassent partie des catégories vulnérables. Et vous avez entendu que de la part des talibans, il y a une fin de non-recevoir par rapport à cette extension. Et dès lors, vous devez travailler sur un rétro-planning aussi pour pouvoir permettre une sortie de la manière la plus sécure possible. Et la ministre de la Défense pourra peut-être ajouter un mot du dispositif et des personnes sur place, s'agissant des militaires, mais aussi des personnes des affaires étrangères. Vous m'avez demandé une explication sur le nombre de gens qui restent. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la chose suivante.
Premièrement, faites toujours très attention avec les chiffres qui vous sont donnés. Les chiffres qui vous sont donnés sont toujours des listes, se basent sur des listes mouvantes, tout simplement parce que, au fur et à mesure des gens, du temps, des gens se sont manifestés auprès de l'ambassade. On en a encore eu 66 Belges ayant droit qui se sont manifestés les deux derniers jours et qui ne faisaient pas partie de nos comptages. Ils sont dans les 935, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour vous expliquer que les choses évoluent au fil du temps. Vous devez aussi comprendre que certaines personnes sont revenues par d'autres canaux que les C-130 ou les vols néerlandais qui sont arrivés à Islamabad et pour lesquels on a pu faire un centrage pour revenir sur Bruxelles ou sur Schiphol. Il y a des personnes qui sont arrivées par d'autres canaux que nous devons aussi pouvoir contacter, sur lesquels on n'a pas encore pu faire de cross-check. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des affaires étrangères ? On a joué safe. Safe, c'est-à-dire qu'on a préféré envoyer plus de messages à plus de contacts que pas assez et d'en oublier certains. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a identifié 114 contacts dont on n'est pas certain qu'ils ont quitté Kaboul. À ces personnes-là, nous les avons d'abord, comme le Premier ministre l'a dit, d'abord informé hier que la situation sécuritaire autour de l'aéroport se dégradait fortement, ce qui était important. Et deuxièmement, nous les avons informés cette nuit que l'opération, nos vols C-130 ne circuleraient plus, que la situation sécuritaire était toujours de plus en plus compliquée et que nous leur demandions de prendre contact avec l'ambassade en stipulant clairement, parce que c'est aussi une des difficultés des listes, nom, prénom, numéro d'identité, date de naissance et localisation exacte, s'ils souhaitent ou s'ils doivent encore faire l'objet d'un rapatriement. À ce jour, nous avons eu 12 réponses. 12 réponses sur une liste de 114 contacts. Alors pourquoi cette liste de 114 contacts est toujours grande ? Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons voulu le jouer sécure et donc nous sommes convaincus que dans ces 114 contacts, il y a encore des gens qui sont arrivés en Belgique et qui ne se sont pas encore déclarés ou on n'a pas encore pu faire les cross-checks par rapport aux listes que l'on reçoit des autres aéroports. D'accord ? Mais il faut aussi être bien conscient d'une chose. Si j'ai encore reçu, il y a deux jours, des noms de Belges ayant droit qui ne s'étaient pas manifestés depuis le 14 août, alors que nous sommes le 25, je n'exclus pas que d'autres se manifestent maintenant. Un dernier élément, c'est l'élément humain. Il faut aussi comprendre que certains Belges ayant droit avaient l'opportunité de rentrer et ont décidé aujourd'hui, cette situation pourrait changer, de ne pas rentrer. Pourquoi ? Pour des raisons familiales, parce qu'ils ne voulaient pas laisser derrière certains ou certaines, ou parce que dans leur famille, certaines personnes étaient hospitalisées, etc. Ça fait partie des obstacles terribles de la vie. Évidemment, ces gens-là sont toujours tenus en considération. Je répète aussi que sur les 935 personnes contactées, il y a aussi les personnes plus fragiles qui font partie de ce listing et que nous, avec qui nous continuons à être en contact. Merci. Je laisse la ministre de Donner compléter. Je viens vers vous, monsieur. Oui. Peut-être sur la situation sur place, beaucoup de choses ont été dites, mais donc il nous est revenu hier au niveau militaire aussi, confirmé par nos équipes de terrain que à la fois l'usage d'armes à feu s'était accru dans la ville, qu'il y avait une attitude aussi plus violente, des actions plus violentes envers la population, que la situation se dégradait de plus en plus, qu'il y avait des indications de possibilité d'attentats à la bombe et nos hommes de terrain ont entendu ces tirs, nos hommes de terrain ont vu d'autres nations modifier leur dispositif sur l'aéroport de Kaboul. Ceci entraînant cela, nous avons eu des discussions et ils nous ont dit il semble qu'avec tous ces éléments, la seule possibilité pour rester en sécurité, c'est de partir sur la dernière rotation. C'est pourquoi donc, nous avons été contraints de nous retirer de Kaboul. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la défense reste présente à Islamabad. Les jours précédents, on a renforcé notre capacité militaire pour être prêt à toute éventualité. Ici, pourquoi on reste sur place ? Pour faire un monitoring de la situation en Afghanistan, analyser l'évolution.
des pays qui se retirent. Il y en a d'autres qui sont encore présents. Des contacts vont être pris entre nations aussi. Et il est important qu'on soit toujours là, à la fois si la situation devait évoluer d'une manière ou d'une autre, à la fois aussi si des personnes des catégories identifiées par la Belgique étaient ramenées par un avion d'une autre nation. On a parlé des partenaires néerlandais, par exemple. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, nous sommes toujours sur place, nous avons encore nos avions sur place pour pouvoir ramener ces gens en Belgique. Donc ici, c'est difficile pour moi de vous dire ce qui va se passer dans les prochains jours, évidemment, mais nous devons, et nous devons, je pense, de rester là, sur place, pour pouvoir agir et réagir à toute éventualité. Oui, merci, monsieur. Alors, il y avait une trentaine de personnes qu'on avait réussi à recontacter qui n'ont pas pu rentrer dans l'aéroport. Selon mes informations, mais je vous rappelle qu'on est dans un terrain de guerre avec une difficulté grandissante probablement d'avoir des informations correctes, mais une difficulté qui existait déjà avant. On n'a pas d'informations de ces 30-là, s'ils ont pu ou non atteindre l'aéroport. On a des informations sur quelques personnes qui étaient présentes, dont on sait qu'ils n'ont pas pu atteindre l'aéroport. Maintenant, le travail qui va devoir être fait, c'est de collecter le nombre de personnes contacts qui se sont présentées. Il faut savoir qu'un contact, ça ne veut pas dire spécialement une personne. Ça peut être une personne qui travaille pour, enfin, qui donne de l'information pour toute sa famille. Et évidemment, les cross-checker non seulement avec les listes des gens qui ont été convoqués pour voir s'ils avaient déjà été identifiés. Et s'ils n'avaient pas déjà été identifiés parce qu'ils ne s'étaient pas encore renseignés, de voir s'ils sont, comment dire, s'ils sont en droit de demander le rapatriement, et évidemment de faire des checks sécurité, puisque quand ça a été possible, et en tout cas certainement pour tous les gens qui ont été convoqués, il y a eu des screenings de sécurité en amont de leur convocation. Peut-être pour ajouter par rapport au screening de sécurité, que nous faisons donc pour chaque personne ce qu'on appelle un quadruple check. Donc on fait un check au niveau de l'OCAM, on fait un check au niveau de la Sûreté d'État, on fait un check au niveau du SGRS, donc des renseignements militaires, et une fois que les gens sont en Belgique, aussi la police fait un check dans ses bases de données. Ça a toujours été un élément très, très important, altijd zeer belangrijk geweest voor ons. Dat de mensen die wij meenemen, ten eerste dat dat mensen zijn die recht hebben op Belgische bescherming, maar dat we natuurlijk geen mensen zouden meenemen die een gevaar zouden betekenen voor onze samenleving. Vandaar dat we dus een viervoudige check doen op basis van de OCAT-lijsten, op basis van de staatsveiligheid, op basis van de militaire inlichtingen en dan ter plaatse in Peuty ook op basis van de database van de politie. Oui, continue, monsieur. Donc en fait, je ne peux pas vous donner cette information maintenant, elle pourra vous être communiquée. De nouveau, toujours beaucoup de prudence avec ce type de communication avant le last check à Petit. Pourquoi ? Parce que dans ce type d'opération, vous n'avez pas quelqu'un, on n'est pas à Zaventem, où on demande aux gens de se présenter calmement 2 heures avant l'embarquement, d'avoir fait un pré-check-in, et de pouvoir tranquillement vérifier tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en zone de guerre. J'apprends à l'instant, par ailleurs, comme l'avait indiqué monsieur le Premier ministre, qu'on aurait encore, grâce à la coopération des Néerlandais, quelques Belges, pas beaucoup, très peu, qui seraient rentrés cette nuit dans l'aéroport et qui pourraient partir encore aujourd'hui. Information à confirmer. De nouveau, ce sont des informations qu'on reçoit au fur et à mesure, qui ne sont pas confirmées
tant que ces gens ne sont pas arrivés à petit et ont été cross-checkés une quatrième fois. Il faut comprendre aussi qu'il s'agit de familles, des familles assez larges, avec des passeports belges, mais aussi des passeports afghans, de langue pachtoune, etc. Donc il y a aussi là toute une difficulté opérationnelle qui doit être rencontrée et qui n'est mieux rencontrée qu'à Petit, où là, il y a toutes les équipes, plus les équipes de l'intérieur, il faut quand même le mentionner, qui refont des checks identitaires, sécuritaires, de possibilités de demander des visas immunitaires ou de rentrer à la maison. Et ce n'est que vis-à-vis de ces chiffres-là que vous aurez une vision globale de qui est rentré. Ja, ik wou nog even vragen over de bus en het incident. Weten we nu precies waarom die bus is tegengehouden? Nee, dat is dus onduidelijk. Wat we weten is dat met de mensen die op die bus zaten, het gaat over alle mensen, niet enkel degenen die Belgische rechthebbende waren, dat die de luchthaven hebben moeten verlaten. Daaraan aansluitend, dus het is duidelijk dat er nog mensen achterblijven, dat die gecontacteerd worden. Wat zijn nu heel concreet nog hun opties om het land te verlaten? Vanuit onze diplomatieke post in Islamabad blijven wij mensen steun geven. Volgen we de situatie in de komende dagen. Het is onduidelijk hoe de situatie in de komende dagen gaat verder evolueren. Wordt dat de luchthaven die gesloten is? Wordt dat de luchthaven die daarna gebruikt zal kunnen worden? Welke gaan de mogelijkheden zijn voor reizen tussen Afghanistan en Pakistan? Dat is vandaag onduidelijk. Het is in ieder geval wel zo dat onze zeer uitgebreide equipes die we ter plaatse hebben vandaag in Islamabad, dat we daar een zeer groot deel ter plaatse gaan houden voor in de komende dagen. Oui. Ceux qui voudraient encore pouvoir quitter Kaboul, si je comprends bien, ils devront compter sur les avions de nos partenaires, sur d'autres pays, puisque nous resterons au Pakistan. Non, donc comme la ministre des Affaires étrangères a dit, il y a encore quelques pays qui, par exemple, ont récupéré, première nouvelle, des gens, et c'est les accords qu'on avait faits, c'est que s'il y a des Belges qui se présentent, qu'on aurait du support d'autres pays. Pour les jours à venir, c'est pas clair ce qui va se passer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'aéroport de Kaboul sera fermé à un moment donné ou est-ce qu'à un autre moment il se réouvre? Quelles sont les possibilités de voyage entre l'Afghanistan et le Pakistan? C'est des choses qu'on va devoir évaluer dans les jours qui viennent, mais c'est clair que notre volonté d'aider les gens qui sont dans une situation difficile, cette volonté ne s'est pas évaporée. Les manières dont on le fait, on a dû les changer à cause de la situation sécuritaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va plus aider les gens qui sont dans une situation difficile. La manière dont on le fait, vraisemblablement, va changer. Ja, là. Wat in dezelfde lijn hoor. Als ik hoor dat de druk vooral of het meest precaire element de luchthaven is, waar bomaanslagen gevreesd worden, houden militairen ook rekening met een alternatieve manier om mensen daar weg te krijgen, los van de luchthaven, door bijvoorbeeld over de weg te opereren of via safe houses? Ik denk dat we daar vandaag niet kunnen op vooruitlopen. Ik denk dat we hebben van onze mensen van Defensie bijzonder veel gevraagd. We werken in gevaarlijke omstandigheden en menselijk ook zeer moeilijke omstandigheden. Niet iedereen die op de luchthaven geraakt is, zijn ook mensen die we toegelaten hebben in onze vluchten. Het zijn vaak zeer, zeer moeilijke momenten geweest waar men aan mensen heeft moeten zeggen: sommigen van jullie mogen mee met de vluchten. Anderen van jullie zijn op de luchthaven geraakt, maar jullie gaan niet mee met onze vluchten. Dat zijn menselijk zeer, zeer moeilijke zaken geweest. In ieder geval is het duidelijk dat het aantal landen die operaties gedaan hebben buiten de luchthaven, dat het aantal landen die dat gedaan heeft, zeer, zeer, zeer beperkt is. Het gaat uiteindelijk om de Verenigde Staten en een paar andere grote landen. De meerderheid van de landen hebben op de manier gewerkt zoals ons land, met een goede risicoafweging.
met operaties die niet altijd te veel de aandacht getrokken hebben, zoals die bussenoperatie, maar die toch honderden mensen in veiligheid heeft kunnen brengen. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des contacts entre la Belgique et les talibans ou est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des contacts pour, par exemple, organiser une évacuation future de Belges qui seraient restés en Afghanistan ? Au niveau diplomatique, au niveau militaire, tous les contacts ont été pris pour au maximum sécuriser les opérations, pour au maximum pouvoir aider des gens. Ça a été clairement fait avec nos pays partenaires, par exemple, nos pays partenaires, à qui nous avons pu donner beaucoup d'informations, qui nous ont donné beaucoup d'informations aussi, et on pourrait plus donner beaucoup plus de détails que cela. Oui, ministre. Peut-être sur cette question, embrayer sur le fait que la Belgique n'a pas de relations institutionnalisées avec les talibans et qu'est discuté dans les forums internationaux, que ce soit au niveau du Conseil européen, au niveau affaires étrangères et certainement plus tard au niveau du TOP, que ce soit au niveau de l'OTAN, que ce soit au niveau des Nations Unies, le type de relation qui pourra être entretenu avec le gouvernement à mettre en place. Je dis bien à mettre en place. Pourquoi ? Parce que les négociations sont toujours en cours. Fonction du type de gouvernement qui sera mis en place, fonction de leur action et non pas de leur parole, et ce sur la durée, nous envisagerons d'un commun accord, c'est ce que l'on souhaite en tout cas, avec un maximum de partenaires et, je l'espère en tout cas, au niveau européen, le type de relation et le statut des relations que nous aurons avec le gouvernement à mettre en place. Oui. J'ai encore une petite question par rapport à la Belgique cette fois-ci. Donc maintenant, on peut dire que la première phase de l'opération Red Kite est terminée. Est-ce que ça va changer quelque chose sur le niveau de menace terroriste en Belgique ? Est-ce qu'il va être augmenté avec notamment le retour de certaines personnes d'Afghanistan, enfin l'arrivée de certaines personnes d'Afghanistan ? Donc l'évaluation de la menace se fait par l'OCAM. L'OCAM n'a pas changé ses recommandations basées sur leur analyse. Et je répète encore que donc pour chaque personne qui est rapatriée, il y a un quadruple check qui se fait à trois niveaux. D'abord, en dehors de la Belgique, donc liste, regardez si les gens se trouvent sur la liste de l'OCAM, sont connus par la Sûreté d'État ou par les SGRS. Et puis en Belgique, il y a une analyse qui s'est faite basée sur les bases de données de police. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement de niveau de la menace. OK. Si, avec cela, peut-être dernière question. Oui. Alors, si je peux, deux questions oui. Très différentes. Une sur la liste vivante, la liste générale des personnes qui étaient éligibles pour revenir. On a parlé des Belges. Pour les autres, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur du nombre de personnes qui étaient éligibles et qui n'ont pas pu revenir ? Et une question beaucoup plus générale, est-ce que vous tirez déjà des leçons au niveau belge, peut-être au niveau européen, de l'ensemble de cette mission ? C'est une question peut-être pour Monsieur De Croo et Madame Wilmès. Merci. Alors, en ce qui concerne les gens qui ont été convoqués, je vous rappelle la prudence avec les chiffres pour la simple et bonne raison que certains ayants droit, donc certains Belges et leurs familles par exemple, qui n'ont pas été, qui ne se sont pas renseignés, n'ont par définition pas été convoqués. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit au retour et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne sont pas rentrés, puisque pour accéder à l'aéroport, et si vous avez des papiers belges, vous pouvez accéder à l'aéroport. Donc dans les convocations, les ordres de grandeur, nous avons plus ou moins, nous avons 489 personnes, 490 personnes de ce qu'on appelle la catégorie 1, qui sont en fait les Belges et leurs ayants droit. Qui sont les ayants droit ? Ce sont les familles nucléaires, donc époux, épouses et enfants de ces personnes. Nous avons aussi été en contact avec 9 Luxembourgeois. Nous avons parlé aussi de ce qu'on appelle, je suis désolée de parler en termes de catégorie s'agissant d'êtres humains, mais
à un moment, au niveau administratif, il faut que l'on puisse faire la distinction entre les différentes personnes. Et donc, les personnes qui ont travaillé pour nous, il s'agit de 75 plus ou moins défense, et une dizaine de personnes qui ont travaillé pour consulat. Les listes des gens les plus fragiles, nous sommes à plus ou moins 265. Et s'agissant des gens qui ont un titre de séjour en Belgique, donc qui ne sont pas belges, mais qui ont un titre de séjour, on parle ici de plus ou moins 90 personnes. Je rappelle, s'il vous plaît, la prudence sur ces chiffres. Ce n'est qu'arrivé à petit. L'entrée du territoire se fait par la police fédérale et par les services concernés, dont Asile Migration. Ce n'est qu'à petit que l'ensemble des checks peuvent se faire. Et jusqu'à présent, ça matche assez bien, et donc on est satisfait du résultat. Mais il faut tenir compte du fait que nous sommes en situation de guerre, que les gens se déclarent ou ne se déclarent pas, sont complets ou incomplets dans leur déclaration. Ça fait partie des choses que l'on doit pouvoir gérer. Oui, peut-être par rapport à des leçons. Je pense que c'est tôt, mais il y a quand même dans certains domaines, je voudrais indiquer les domaines où je pense qu'il y a clairement une analyse qui doit se faire. D'abord, analyse par rapport à la vitesse de la montée des talibans. Je pense que là, clairement, au niveau international, l'analyse n'était pas que ça allait se passer d'une manière tellement rapide. Et donc là, clairement, du point de vue international, il y a eu un jugement qui n'était pas le bon jugement. Premier élément. Deuxième élément, vous savez que les pays de l'OTAN sont allés en Afghanistan basé sur les États-Unis, qui ont invoqué la clause de l'OTAN, qui dit que quand un pays est attaqué, les autres sont tenus à donner du support. C'est clair que de notre point de vue, c'est in together, but it's also out together. Et que là, clairement, la décision de quitter l'Afghanistan du côté des États-Unis nous a surpris beaucoup de partenaires, et je pense que là il y a une discussion franche à avoir. Troisième élément, c'est que la coopération entre les pays européens dans une situation de crise comme celle-ci, elle fonctionne, mais elle pourrait mieux fonctionner. Elle fonctionne, et on le voit que la coopération entre la Belgique et le Luxembourg, la coopération avec les Pays-Bas, ça a très très bien fonctionné. On a vraiment pu aider beaucoup de gens. Mais je pense qu'on doit regarder des méthodes plus structuralisées pour le faire. Aujourd'hui, on le fait plutôt avec des pays qui sont proches, avec des pays qu'on connaît bien, mais il y a d'autres choses, je pense, qu'on pourrait faire. Dernier élément que je voudrais mettre en avant, c'est que quand ce qu'on pourrait appeler la diplomatie européenne a été créée, il a clairement été stipulé que cette diplomatie européenne ne pouvait pas donner de support consulaire. Support consulaire, ça veut dire c'est des gens qui ont perdu leur passeport, des gens qui doivent être évacués. Il a clairement été stipulé que c'est exclu de la diplomatie européenne. Je pense honnêtement qu'il faut faire une évaluation de cela. Je pense honnêtement que c'est un des domaines où la valeur ajoutée peut être la plus importante. Il y a des Belges qui sont en danger, mais il y a aussi des Autrichiens qui sont en danger. À la fin, on est quand même tous des Européens. Je mets en avant quelques éléments. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qu'on pourra discuter dans les mois qui viennent. Notre première priorité a été au maximum d'aider des gens qui étaient en danger, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'analyses à faire par rapport à comment les choses se sont déroulées en amont et les jours précédents. OK, merci beaucoup.